La sixième édition du Sommet mondial de l'intelligence artificielle des Amériques s'est ouverte à Montréal. Et parmi les participants, Yoshua Benjo, cet expert et sommité international, fondateur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, lauréat du prix Turing en 2018, on appelle le prix Nobel de l'informatique, si vous voulez, et sur la liste aussi des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine américain Time, ce qui est souligné aujourd'hui d'ailleurs. C'est pourquoi on le joint à New York. Il a trouvé un petit espace pour nous dans son agenda qui déborde. C'est un bonheur, un honneur de vous recevoir au TVA 17h. Merci d'être là, M. Benjo. Merci de faire ce que vous faites aussi. Écoutez, on a tous un rôle à jouer. Le vôtre est particulièrement important. Vous faites un devoir d'alerter les pouvoirs publics, notamment sur les dangers qui nous guettent face au développement effréné, non réglementé de l'IA. Avez-vous l'impression qu'on commence à comprendre votre message? Bien, en tout cas, il y a un mouvement dans la bonne direction. Là. Si on regarde au cours de la dernière année, on est parti de essentiellement rien du tout. Là. Quelques personnes très, très marginales qui s'inquiétaient et qui en parlaient à beaucoup, beaucoup d'attention des médias, mais aussi des gouvernements, des réunions internationales, des organisations internationales de l'ONU à l'UNESCO, en passant par le FMI, l'OCDE. On comprend qu'on est en train de faire des transformations technologiques qui vont changer le monde de manière qu'on ne comprend pas bien et qui pourraient être excellentes ou très dangereuses. Mm-hmm. On joue un petit peu à Dieu. C'est curieux, il nous vient tout le développement du nucléaire. Hein. On a quelque chose potentiellement entre les mains qui pourrait courir à notre perte. Oui, je dirais on joue à l'apprenti sorcier, en fait. C'est mm-hmm. qu'on manipule quelque chose qu'on ne comprend pas suffisamment. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les scientifiques de l'IA ont un rôle important à jouer pour aider les gouvernements, ceux qui vont faire la réglementation, les entreprises aussi, à agir dans un sens qui va être bénéfique pour la société et pas nuire. Ouais. On sait, M. Benjo, que l'intelligence artificielle va atteindre éventuellement des niveaux de compétences cognitives là, similaires à ceux des humains là, dans une foule de domaines. Donnez-nous des exemples concrets, là, des dangers potentiels. Bon, premièrement, on ne sait pas sur quel horizon de temps. On peut faire des projections en fonction des avancées des dernières années. Mais moi, une des choses que je trouve inquiétante, mais qui est très simple à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a des intelligences artificielles qui peuvent faire le travail que des humains font dans les bureaux, par exemple, ouais. C'est un travail cognitif, il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont être remplacés en partie par des intelligences artificielles. Donc ça va déjà faire un changement économique qui pourrait être désastreux si on mm-hmm. ne fait pas les choses comme il faut. Mais en plus, ces mêmes capacités cognitives peuvent être entre les mains de terroristes, de pays qui veulent nuire à nos démocraties, etc. On voit déjà là, s'amorcer des utilisations, des hyper-trucages, des fraudes, de la pornographie juvénile qui utilisent déjà la technologie d'aujourd'hui, puis ça ouais. va être pire au fur et à mesure que ces systèmes s'améliorent. Mm-hmm. Vous proposez que les entreprises aient éventuellement l'obligation de tenir comme une sorte de registre, puis soit au fond qu'il y ait une transparence ouais. sur leurs activités, là, c'est essentiel. Exactement. Aujourd'hui, les gouvernements ne savent même pas qui fait quoi pour les systèmes les plus gros là, qui pourraient être les plus dangereux. Donc ça, c'est la première étape. Puis éventuellement, mm-hmm. il faudrait que aussi ces systèmes aient besoin d'avoir une licence. C'est-à-dire, donc, si on ne respecte pas certaines règles de sécurité, ben non, on ne peut pas construire ces systèmes, on ne peut pas les déployer. C'est l'étape d'après, là, c'est clair. Ouais. Et dans le sommet de Montréal, le CACO, en ce moment, on a axé les réflexions notamment sur le milieu de travail. Là, on en parlait. Je voyais notamment le souci pour les traducteurs, par exemple, qui commencent à perdre leur emploi là, parce que l'intelligence artificielle peut faire leur travail. Quels autres métiers sont menacés de disparition éventuellement à cause de l'IA? Bien, vous savez qu'il y a eu quand même tout un mouvement là, du côté de ceux qui produisent du contenu visuel, les artistes et les effets spéciaux, etc., à Hollywood. Et ça nous a touchés aussi chez nous. Mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et on va voir probablement de plus en plus de catégories d'emplois, puis la liste est longue, où graduellement, les entreprises vont offrir des produits qui vont permettre d'économiser, mais au prix de... des emplois potentiellement. Aujourd'hui, on manque de gens, mais il faut s'imaginer une situation différente, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, où on est dans la situation inverse qu'on a déjà connue, hein, des problèmes
où il y avait pas assez d'emplois pour tout le monde. Mm-hmm. Il faut qu'on s'y prenne d'avance pour ouais. Éviter des situations de chaos social, par c'est exemple. C'est ça, éviter le pire. On a l'impression qu'on est dans un livre d'Isaac Asimov, mais c'est malheureusement la réalité et un futur très, très proche. On continue de suivre vos travaux, M. Bengio. On vous souhaite d'être entendu partout. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.